Donc ici, on a vraiment un bel érablière jusqu'au quartier résidentiel. On voit la première tourelle de ce côté-ci. On est du côté est en ce moment. Je vais aller vous montrer maintenant, cette fois-ci, les pommiers. En fait, toute cette section-là, on compterait, je vous dirais, une vingtaine de pommiers entre le quartier résidentiel qui est là et l'autre grange que vous voyez là. Beaucoup de pommiers. Et derrière les murets de bois qu'on voit ici, ce serait des érables. Puis on a également une forêt de 60 acres approximativement à l'autre extrémité de la terre agricole, qui est en partie des arbres, mais la plupart des arbres n'ont jamais été bûchés. Donc c'est pas une forêt qui a été exploitée. On n'a pas de plan d'aménagement au dossier, mais il y a quand même, on l'a marché hier, c'est une forêt qui est grandement... où est-ce qu'on y retrouve des arbres matures de différentes espèces. Oui, on a un puits de surface juste là, mais on est également raccordé au système de l'aqueduc de la municipalité. Donc la fameuse terre de 80 arpents, plus ou moins 67 acres, c'est cette parcelle-là qu'on parle ici. Cette année, ça a été cultivé en soya. Et naturellement, ben, enfin, on y fait une rotation. L'an prochain, ça risque d'être en maïs. Donc le boisé, au fond là-bas, donc la terre contourne le boisé. Puis en arrêt du boisé, bien évidemment, c'est la terre agricole qui continue. Puis ça s'en va jusqu'au rang Beaujoli. Donc on est situé entre le rang Beaujoli et le rang Gaspé. Donc on va procéder tranquillement à la visite intérieure du bâtiment, du 24 rue principale. Donc une propriété assez unique dans son genre, qui a été construite et rénovée ou agrandie au travers des époques. Donc, on parle d'une propriété qui est centenaire au niveau de cette première section-là, avec une fondation en pierre, mais qui était recouverte de béton ici au niveau de la galerie, et une autre section construite dans les années 70 avec des blocs de béton à ce niveau-là ici. La forêt à l'arrière. Donc là, on est fin octobre. Donc c'est pour cette raison qu'on a moins de feuilles dans les arbres. Ça se retrouve plus au niveau du sol. On va rentrer tranquillement dans la maison. Premier bâtiment agricole. En fait, la grange étable, où est-ce qu'on y retrouvait les vaches autrefois. Bon, bien évidemment, en ce moment, il n'y a pas d'animaux. L'électricité est encore ici, mais elle a été coupée. On a également l'eau qui était courante. L'entrée a été changée aussi récemment. Donc, bien évidemment, on est au niveau du sol. Il y a une grange en haut de nous qui est utilisée en espace de rangement. Où est-ce qu'on y mettait le foin autrefois? Et c'est très espacé, très propre à l'étage aussi. Et nous voici maintenant à procéder à la visite de la propriété 24 rue principale, ou le rang Gaspé et Saint-Apollinaire. Donc on s'apprête à rentrer dans la propriété. En fait, cette fois-ci, on va rentrer par une des entrées principales qui donne accès directement à la cuisine d'été. Donc cette pièce-ci a l'entrée électrique également. En fait, ici, on est dans le vestibule ou tambour, appelons-le comme ici. La cuisine d'été, à l'époque, était de ce côté-là, ici. Et au travers de l'autre porte, a un accès également pour aller à l'autre section de la cuisine d'été et un étage ou au deuxième étage pour accéder en haut de cette cuisine d'été-là. Donc, cuisine, salle à manger principale au niveau du rez-de-chaussée avec des cuisinières ou d'époque au bois. Vous comprendrez qu'à l'heure actuelle, c'est semi-inhabité. Donc, au niveau de l'ameublement, c'est... On n'est pas dans un staging d'une maison qui vient juste d'être construite. On a des calorifères et des convecteurs dans certaines pièces, mais à la base, la propriété est chauffée avec un système de chaudière, c'est-à-dire une chaufferette qui fonctionne à l'eau et qui fonctionne au mazout et à l'électricité, pardon. Donc, on a une autre chambre ici. Chaque chambre, la plupart, possède un calorifère. Je continue, on va aller tranquillement à l'étage.
Donc, on a ici une première chambre. Salle de bain ici. Toute la tuyauterie est prête. Donc, il faut comprendre, c'est une ancienne maison centenaire de 14 chambres au total. Donc, beaucoup d'espace. Là, on est dans la première section de la résidence. C'est-à-dire construite au début du siècle. Et cette fois-ci, on rentre dans la deuxième section. Propriété qui était reconstruite dans les années 70. Donc, on a une autre chambre ici, avec un convecteur. Toujours des chambres complètes avec fenestration et placard et des thermostats numériques. Un grand corridor, placard à gauche, système de chauffage chaudière électrique ici au niveau du mur. Cette grande salle familiale présente ici a un accès pour aller au sous-sol et aux deux étages supérieurs, première tourelle. Donc on va y accéder tout à l'heure pour vous montrer un peu l'accès. Donc, c'est des tourelles avec des escaliers bétonnés et, bien évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure, de la brique à l'extérieur. On a des thermostats programmables numériques, pas des thermostats, mais des minuteries pour les lumières extérieures. Donc, en ce moment, ici, on est du côté sud de la propriété. Donc, en sortant de cette porte-là, j'ai accès au champ de l'autre côté de la rue là-bas. Donc, on va tranquillement se diriger vers la section des tourelles. Donc, cet escalier-là, ici, est beaucoup plus grand, plus facile à monter, la première tourelle. Bien évidemment, ici, on a une première salle de lavage avec douche, baignoire, bain-douche ici. Donc, vous voyez un peu la tourelle est en brique ici. On y a accès par ici. J'apporte à votre attention que le frame, la structure de l'escalier, c'est la cheminée. En fait, et également sert de système de chauffage pour la section des escaliers. Donc, du sous-sol jusqu'au rez-de-chaussée, deuxième étage, troisième étage. Mais ça, ça va être la cheminée du système de chauffage de la propriété. Donc, vous voyez la largeur des murs. Donc, je monte tranquillement. Il y a une vue extérieure ici. Une rampe cuivrée. Donc, maintenant, on est au deuxième étage. On va aller visiter tranquillement. L'escalier qui continue en hauteur. Donc, deuxième étage. En arrivant. On a une première chambre à coucher du côté gauche, avec placard, convecteur, avec la vue sur la tourelle et la forêt. Une autre chambre à coucher de ce côté-ci, du côté ouest. Avec encore une fois la tourelle, garde-robe. Et ensuite de ça, ici, comment pourrions-nous appeler cette pièce? Plusieurs diraient garçonnière ou séjour, salle d'entraînement. Donc, pour y accéder, c'est une trappe, tout simplement. On a encore un garde-robe là, un petit rangement là. Écoutez, moi, je veux dire 6 pieds 4. Il a une bonne hauteur pour la tête. Mais on est dans un étage mansardé. Donc ici, j'ai une pleine hauteur. Ici, bien, c'est mansardé, bien évidemment. L'accès que je vous parlais tout à l'heure de l'autre escalier. Une forme de tourelle. Donc, pour accéder à cette pièce-ci, ça peut se faire aussi plus facilement sans avoir passé par la section-là. On peut y accéder sans avoir à se pencher par l'escalier qui est là. Donc, on va continuer. Ici, ben, j'ai un rangement avec un accès à l'entretoit de l'ancienne propriété. Je ne sais pas si on peut voir. Non, pas de lumière à ce niveau-là. Donc, on va continuer à monter pour accéder au troisième étage. En ce moment, on est au deuxième. Donc, toujours la rampe cuivrée avec la cheminée qui doit être la structure de l'escalier. Donc, j'arrive au deuxième. On a une pièce ici qui est non fenestrée, qui peut servir de rangement ou de cinéma maison. Bien évidemment, c'est ultra insonorisé. On est dans l'entretoit. Donc, c'est chauffé. Et on a du rangement sur chacun des côtés. Si je continue à monter dans la tourelle, j'accède maintenant dans l'entretoit, le toit. Où est-ce qu'on a pris soin de mettre une cheminée avec la double paroi. Ça semble être une double paroi ici pour passer au niveau de l'entretoit pour se rendre à l'extérieur. J'en profite pour ouvrir la fenêtre. Donc on a une fenêtre ici que j'arrive pas à ouvrir. Il y a une vue incroyable. On va redescendre tranquillement.
Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer le sous-sol. Mais au lieu de se répéter, ben en fait, je vais fermer ici. On va fermer ici. Donc là, cette fois-ci, on n'a aucun éclairage artificiel dans les escaliers. C'est uniquement la lumière naturelle du jour qui entre. Une journée semi-ensoleillée, je dirais. OK, on se dirige tranquillement vers le sous-sol, ou la salle des machines, le cœur de la propriété, comme plusieurs diraient. Donc l'accès ici pour ramener la fameuse cheminée, qui va être la structure de l'escalier. Donc ici, on est dans la première section du sous-sol. On y retrouve un autre panneau électrique de ce côté-là. Bon, je vais aller vous montrer à l'instant. Et un accès. En fait, la porte qui est là, c'est un accès pour aller à la tourelle numéro 2, la plus petite, qui donne vers les étages qu'on a visités tout ensemble tout à l'heure. Donc, panneau 200 ampères, évidemment. Ici, on a le système de chaudière qui chauffe l'eau avec tous les relais. Et aussi, dans laquelle il y a eu un certain entretien à chaque année. Donc, le réservoir à eau qui est là. Donc, on vient pré-réchauffer l'eau chaude pour la consommation de la propriété. Mais on comprend que c'est une fournaise à bois et électrique. Excusez-moi, j'ai dit au mazout tout à l'heure, c'est une fournaise au bois et électrique. Fournaise, mais chaudière. Bien évidemment, on a les radiateurs. Donc ça, c'est l'ancienne section. En fait, c'est le sous-sol de la première phase de la propriété qui date de début de siècle. Donc on voit, c'est une fondation en pierre. On a l'ancienne fournaise au mazout avec le réservoir qui est encore présent. Mais à l'heure actuelle, c'est pas ça qui fonctionne, mais plutôt de l'autre côté, ce que je vous ai montré. Ce système-là, finalement.